J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager ma journée de samedi avec vous. Donc, nous sommes le 14 février. Je viens tout juste de me réveiller. D'ailleurs, j'ai encore mon foulard. C'est la base, ça, les gars. Alors, première chose qu'on va faire, c'est que je vais aller réveiller Clésia parce que, bien évidemment, je vais partager cette journée avec elle. Vous allez vraiment tout voir. Hein. Bon, sauf quand je vais aux toilettes, mais sinon, je vais essayer de partager un max de trucs avec vous. Donc maintenant, on va réveiller Clété. Ensuite, on continue la suite de notre programme. Alors maintenant, on va aller réveiller Clété. Coucou mon saucisson. Aujourd'hui, on va filmer toute notre journée de samedi. Oui, je suis sérieuse. Alors, je vous explique. Normalement, cette mademoiselle a sa propre chambre, n'est-ce pas? Si, t'as ta propre chambre avec ton propre lit et toutes tes affaires. Mais comme ma maman l'a habituée à dormir avec elle, maintenant elle ne veut plus lâcher la chambre de ma mère. Voilà, Clé est réveillée. Avec Peppa Pig. Et moi je fais mes différents soins de visage, donc gommage, masque et tout ça. Et voilà ma tête. Ah oui, je suis canon. C'est pas canon, mais... Oh, tu arrêtes. Maintenant. Voilà, nous sommes enfin prêtes, donc on s'est lavé, on s'est les dents, bref, on a fait tout ce qu'il fallait. Et maintenant, on va accompagner Cooking à la danse, parce que Mademoiselle fait de la danse classique tous les mercredis et tous les samedis matin. Et en plus, c'est moi aussi en basket comme vous. Et au piano. C'est pas inscrite au basket, t'es inscrite au piano. À la natation, bref, tu fais un truc juste. Allez. Nous sommes arrivés à la danse. Alors les amis, une fois que j'ai déposé Clésia à la danse, j'attends chaque fois une heure dans la voiture parce que je n'ai pas le temps de retourner chez moi vu que ce n'est pas non plus à côté de la maison. Donc je fais ça le mardi et le samedi vu qu'elle va à la danse classique deux fois semaine. Super grande sœur. Alors, après la danse, on a été se chercher des pizzas de chez Domino's. On va voir ce qu'on a pris. Mais mon amour! Quoi? Ça fait ta 10e part de pizza. Voilà les amis, après avoir mangé, maintenant je vais faire le ménage. Bon, c'est pas la meilleure chose que je préfère faire, mais il faut quand même le faire. Donc voilà, c'est parti pour 1 à 2 heures de nettoyage. Ça dépend vraiment de ce qu'il y a à faire. On se retrouve tout à l'heure. Voilà les amis, j'ai terminé le ménage. Et le pire dans tout ça, c'est que ma mère, quand elle va rentrer, elle va dire que je n'ai rien fait. Ça, c'est sa spécialité. Elle aime bien dire que je ne fais pas le ménage alors que je fais le ménage. Donc là, j'ai fini le salon. J'ai également nettoyé la cuisine. Bref, tout est nickel. Je peux passer à autre chose. Voilà mes cookies, j'ai terminé le ménage. Donc là, je vais aller m'apprêter car ce soir, je vais assister à la 2e édition de l'Afropreneur Award organisée par Marie-Charlotte Montgomery. Donc j'ai super hâte. C'est un événement qui met en avant les entrepreneurs africains. Donc voilà, je vais pas vous montrer comment je m'apprête tout ça parce que ça sert pas à grand chose. Je vais plutôt vous montrer quelques moments forts de la soirée. Et voilà. Organisme. 8, 7, 6, 5, 4, 3. J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes dimanche aujourd'hui et nous sommes venus chez les parents de Samy parce qu'on va faire un barbecue. Je suis trop contente. J'adore les barbecues. Vous qui me suivez, vous savez à quel point j'adore les barbecues. Donc voilà. Et en plus, j'adore venir ici parce qu'il y a toujours plein de trucs. Je vais vous montrer un petit truc. Vous allez voir, je vais faire des jaloux. Regardez, c'est le paradis du raisin. Il y a plein de grappes de raisin. Mais vraiment plein de grappes. Et du coup, on sait pas trop quoi en faire. Si, on va faire du jus de raisin, mais c'est un truc de ouf quand même. C'est pour ça que j'adore venir ici. Il y a plein de trucs.
Alors pour le barbecue, on va faire du poulet, mais pas n'importe quel poulet. Déjà, c'est du poulet fermier. J'adore le poulet fermier. Et en plus de ça, on va le cuire avec des patates douces, des carottes, des oignons. Bref, ça va être une tuerie. J'ai rajouté des prunes. Elles sont là. Et je pense que mon maïs, il est bon. Je vais pouvoir l'enlever. Les amis, voici les premiers aliments tout droit sorti dans notre barbecue. Alors là, on a des prunes et du maïs. Bon appétit. Alors ici, on a une salade de riz, la grillade, donc les différentes viandes, le maïs et les prunes, une petite salade de concombre, et on mange en extérieur. Voilà les amis, oups, qualité un peu bizarre. Je viens de rentrer à la maison, donc mon week-end est terminé. Je vais commencer à faire le montage de cette magnifique vidéo que vous allez regarder d'ici quelques heures. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'allais dire pour une nouvelle recette vidéo, tellement j'ai l'habitude de dire pour une nouvelle recette vidéo. Ciao les gars!